bien, Kagir. Allons-y, Kagé. Le village d'Omi. Chez moi. Thank you.
vois pas de Mongols. Où est-elle ? Comment osez-vous ? Jeune maître. Je vous croyais mort. J'aurais voulu rentrer plus tôt. Content de vous voir, Yuriko. Vous semblez épuisé. Avez-vous faim ? Je vais bien. Merci. L'armée du Khan a dû passer par ici. Avez-vous eu des problèmes ? Quelques bandits. Je n'ai eu aucun mal à m'en défaire. Je cherche l'armure de... mon armure. Vous n'en vouliez pas sur la plage de Komoda ? Beaucoup de choses ont changé depuis. Je l'ai cachée en lieu sûr. Venez par là. Ah, ces vieux os. Je vais demander à Taichi de m'aider. Il est au cimetière. Que fait-il là-bas ? Il entretient le domaine. Il cueille des plantes pour mes poisons. Et il éloigne la vermine de nos provisions. C'est bien que vous ne soyez pas seul. Quelle nouvelle du seigneur Shimura ? Il est vivant. Les Mongols l'avaient capturé à Komoda, mais nous l'avons libéré. Oh ! D'autres ont survécu. Et ils se sont joints à vous ? Quelques-uns seulement. Dame Masako. Bien. Toute petite, déjà, elle se battait aux côtés des garçons. Un jour, il faudra que vous me racontiez tout ça. Est-elle votre seul allié ? Il y en a d'autres. Ishikawa-sensei. Voilà bien des années que je ne l'ai pas vu. Se comporte-t-il toujours comme s'il savait tout mieux que quiconque ? La moitié du temps, c'est le cas. Mais c'est un archer sans égal. Il ne dirait pas le contraire. Seigneur Sakai, vous voilà. J'aimerais pouvoir rester. Mais j'ai cru comprendre que vous preniez soin de Yuriko. C'est plutôt l'inverse, monseigneur. Taichi, aide-moi à préparer l'armure des Sakai. Allez-y. Je dois me rendre au cimetière. Il reste des mauvaises herbes. Je vous demande.
J'ai perdu mon père. Sa tombe proche, son âme lointaine. Toute chose a une fin. L'armure est là, monseigneur. Merci, Taichi. Aide-moi. Jeune maître. Vous allez bien? Oui, j'ai eu un vertige. Pendant un instant, j'ai cru voir votre... Bats-toi, espèce de lâche! Cachez-vous. Affrontez-moi! Tu mourras comme un chien, comme ton père! Yuriko! Seigneur Sakai! Est-ce que ça va? Vous les avez massacrés!
Le clan Yarikawa cherche-t-il encore les ennuis? La révolte de Yarikawa remonte à 20 ans. Ces hommes s'étaient alliés aux Mongols. Bien sûr. Vous voir ainsi, ça m'a un peu retourné. Je dois reprendre mon souffle. Au bord du lac, votre arbre préféré. Oui, allons-y. Vous disiez tout à l'heure que vous concoctiez des poisons. Les éloignent la vermine de notre riz. Pourriez-vous les rendre plus forts? Pour tuer un homme, par exemple? Nul ne mérite un tel sort. Le pourriez-vous? À dose élevée, les effets sont terribles. Bien. Oh, monseigneur. Asseyez-vous à mes côtés. Jamais les Sakai n'ont eu recours au poison. Jamais les Sakai n'ont été confrontés à l'Empire mongol. Toute arme est donc bonne à prendre. L'avenir de Tsushima en dépend. Les Mongols vous ont changé, jeune maître. C'est le monde qui a changé. Ma mère m'a transmis son savoir des plantes médicinales, mais aussi des plantes nocives, voire mortelles. Elles doivent pénétrer l'organisme. Comment comptez-vous empoisonner l'ennemi? Une sarbacane et des fléchettes. J'ai découvert l'usage de cette arme dans les mémoires d'un guerrier Genji. Acceptez-vous de m'aider? Promettez-moi de rester l'homme bon que vous êtes. Je vous le promets. Je veille sur vous depuis que votre mère vous a mis au monde. Je vais continuer. Tout ce qu'il me faut, c'est de quoi faire une sarbacane. Autrefois, il y avait des roseaux de l'autre côté du lac. Là où vivait le vieux pêcheur. Vous rappelez-vous? Vous et votre ami, vous en serviez pour construire de petits bateaux. Avec Ryuzo, nous passions notre temps à rejouer la bataille de Dannoura. Attention, Jin. J'y ai vu des feux à la nuit tombée. J'ignore de qui il s'agit. N'ayez crainte. Je reviens avec des roseaux. Allez-y. Laissez-moi. Envoyez votre meilleur guerrier. Baissez-vous! Sakai!
cache. Parfait pour une sarbacane. Je vais les donner à Yoriko. Jin, seul au monde. Yoriko. Oh, pardonnez-moi, jeune maître. J'étais en train de penser au Seigneur Sakai. Ce que j'évite toujours de faire. Il vous aimait à sa façon. Assez parlé du passé. Nous avons une sarbacane et des fléchettes. Il ne me manque que le poison. Très bien, jeune maître. Venez avec moi. J'ai installé un petit camp à l'endroit où je cueille mes plantes pour mes onguents. Et mon poison. Il tue la vermine en un instant. Faites-le assez fort pour l'envahisseur. C'est bon de chevaucher de nouveau avec vous. Le seigneur Shimura et vous m'avez appris à monter à cheval. Sur un poney minuscule. Vous vous teniez si droit sur votre petite selle. On eût cru le shogun en personne.
Oh non, quel sacripant. Pourquoi riez-vous? Je viens de me souvenir que c'est ici que vous avez failli tuer votre oncle. Quoi? Vous aviez peut-être 3 ou 4 ans. Le pauvre homme essayait de vous apprendre à manier votre kodachi en bois. Mais vous ne pensiez qu'à chasser les papillons. Je connais cette histoire. Mon oncle a eu le visage tuméfié pendant des semaines. Le seigneur Shimura et votre père ont tellement ri, j'ai cru qu'il s'en étoufferait. Je ne me souviens pas du rire de mon père. La gaieté l'a quitté quand votre mère est tombée malade. Mais vous, vous avez le même rire que votre père. Nous y sommes. Une natte de paille et un feu de camp. Vous dormez ici? Uniquement quand je passe la journée à chercher des plantes. Je vais chercher les fleurs qu'il nous faut. Reposez-vous, Yuriko. Je vais m'en occuper. Ne mangez pas les graines, elles sont toxiques. Je ne suis plus un enfant, Yuriko. Oh, je le sais bien. Vous vous souvenez quand nous cueillions des fleurs pour votre mère? Elle les disposait dans la petite alcôve de la maison. Ah, voilà qui devrait suffire. Apportez-les-moi, jeune maître. Les voici. Bien. Il faut en extraire les graines et les écraser jusqu'à obtenir une pâte dont on enduit les aiguilles. Le dosage doit être assez fort. Vous obtiendrez l'effet recherché. C'est prêt. Tu es sûr qu'il est venu par ici? La vieille femme a un camp, quelque part par là. Écoutez, quelqu'un vient. Restez là, Yuriko. Voyons si ce poison est efficace. Il paiera pour ce qu'il a fait à Sadamune et aux autres. Tout ce que je veux, c'est sa tête et la prime qui l'accompagne. C'est encore loin? On n'en est plus très loin. Laisse-moi me repérer. Dépêche-toi, je ne veux pas qu'il nous sème. Êtes-vous blessé, jeune maître? Tout va bien. Je m'en suis occupé. Oh, j'oublie parfois que vous êtes devenu un homme. Je l'oublie parfois aussi. Nous devrions rentrer au domaine. Je reste. J'aimerais remettre un peu d'ordre. Ne présumez pas de vos forces. Allons. Vous n'êtes plus un enfant. Et je suis assez grande pour me débrouiller seule. Quels autres poisons pouvez-vous faire? Toujours aussi impatient. Il y en a un autre qui provoque la rage et la confusion. Mais les ingrédients, quels sont-ils donc? Réfléchissez-y. Ce sera utile.